Bonjour, c'est Thierry. Alors, je vous présente aujourd'hui un produit que je viens d'acheter. Il s'agit de raquettes de ping-pong. Voilà, donc j'ai trouvé ça sur le marché. Il s'agit de la raquette SoftBat distribuée par Cornillo. Alors, pourquoi ce produit d'une manière générale? Et bien parce que je recherchais une raquette qui soit familiale, que l'on puisse utiliser aussi bien entre adultes qu'entre enfants, donc qui s'adapte un petit peu à ce genre de pratique, mais également qu'on puisse utiliser et laisser à l'extérieur. Donc voilà, donc c'est une raquette qui est outdoor. Alors je vous la présente. Il s'agit d'une raquette qui a une particularité, c'est qu'elle a été conçue à partir d'anciens vêtements. Voilà, donc elle est éco-conçue. Elle a une deuxième particularité, c'est que on retrouve deux composants, un qui est un plastique rigide et le deuxième un élastomère qui est moulé par-dessus. Alors c'est important parce que au niveau fonctionnalité, ça va nous apporter pas mal de choses. Déjà, moi je recherchais une raquette qui soit assez résistante parce qu'on a toujours les enfants qui viennent un petit peu taper le bord de la table, qui viennent jeter leur raquette sur la table. Et on se retrouve ici avec une raquette qui est d'un seul bloc puisque l'élastomère a été moulé par-dessus. Donc on n'aura pas de revêtement qui va venir se décoller. Voilà, donc elle est déjà beaucoup plus résistante qu'une raquette standard. Voilà. Ensuite, deuxième particularité qui était importante pour mon choix, c'est qu'elle est water resistant. Donc du coup, on n'a pas de partie qui vient de se décoller, tout est moulé et donc l'eau ne va pas pénétrer. Et du coup, elle résiste très bien à l'extérieur. On va pouvoir la laisser à l'extérieur et jouer dehors avec. Elle résiste aussi bien aux rayons UV. Voilà, ça c'était le deuxième point positif. Cette raquette a une prise en main adaptée aussi bien pour les adultes que pour les enfants, notamment par rapport à la forme de son manche. Il a une forme arrondie et pas très épaisse, donc aussi bien un adulte qu'un enfant pourra bien la prendre en main. Elle est assez légère, elle fait 165 grammes, donc pour un enfant c'est également pas mal. Côté éducatif, on a une petite zone ici qui a été traitée en élastomère qui va permettre du coup de montrer le placement du doigt pour un pratiquant débutant. Voilà, donc on va parler maintenant du revêtement. Ben, moi étant gamin, j'avais l'habitude pour tester un petit peu l'accroche d'une raquette de passer la raquette sur les cheveux comme ça et on voyait bah, si ça accrochait ou pas. Donc effectivement, bah, celle-là elle est neuve donc ça accroche bien. On va la tester pour voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, ce qui est mentionné sur la notice, c'est que c'est une raquette qui a peu de rapidité, c'est-à-dire que lorsqu'on va frapper la balle, eh ben, le rebond sera moins rapide. Donc ça c'est sympa pour des pratiquants débutants qui contrôlent pas encore bien leur balle. On retrouve différentes couleurs. Donc là dans la boîte j'avais une bleue, une rouge, mais apparemment il existe également d'autres couleurs. Voilà, donc pour faire un petit bilan sur cette raquette, je dirais que c'est une bonne raquette pour débuter, une raquette familiale qui s'adapte bien à l'adulte comme à l'enfant. Voilà, elle répond bien à ce que je recherchais, à ma demande. Elle a une faible vitesse pour notamment les débutants et qu'ils puissent se perfectionner. Alors bien sûr, après, c'est pas... pas une raquette adaptée à de la compétition, hein. Ça on est d'accord, c'était pas c'est pas ce qui était recherché. Voilà, avec un rapport qualité-prix qui est
relativement sympa. Voilà, on peut s'équiper pour la maison pour pas trop trop cher avec un produit qui reste relativement de bonne qualité. Voilà, et donc les points positifs que je recherchais, c'était la résistance, le fait qu'on puisse l'avoir en extérieur, et puis également le fait que le revêtement ne va pas pouvoir se détacher. J'espère avoir pu vous renseigner sur ce produit, et puis à la prochaine fois. Bonne journée, au revoir.